Dans cette vidéo, vous découvrirez comment tisser de la laine de mouton. Ce film fait partie d'une série qui explore le travail de la laine, de la tonte jusqu'au tissage. Et c'est Pauline Dorna de Blackwool qui vous raconte tout. Et aujourd'hui, elle vous montre comment tisser de la laine de mouton. Avant de tisser et de passer sur un métier comme ça, ici on a les fils qui sont déjà montés, mais il faut en effet les mettre dessus. On a besoin de ce qu'on appelle un ourdissoir. L'ourdissoir pour ourdir les fils. C'est ce cadre en bois avec ses pics qui sont interchangeables. On peut les mettre où on veut en fonction de la longueur qu'on veut. Ça fait plus ou moins un mètre de large. Et donc on va passer notre fil en comptant la longueur de fil qu'on veut avoir sur notre métier. Donc ici 3 mètres. 1, 2, 3, je repars, 3, 2, 1. On observe ici que les fils forment une petite croix. C'est hyper important pour ne pas perdre l'ordre et qu'ils ne s'en mêlent pas. C'est ce qu'on va appeler notre en croix. Ça, on doit vraiment le faire à chaque fois, c'est la partie la plus importante. Si on perd cette partie-ci, autant dire que tous les fils sont perdus. Et on va parler en fil au centimètre. Donc celui-ci, on peut mettre 6 fils par centimètre. Pour le savoir, on enroule tout bêtement notre fil autour d'une latte. Et alors, on voit quand ils sont relativement serrés, combien il y a de fils sur 1 centimètre. Ici, c'est entre 4 et 6 en fonction de la densité qu'on veut. Donc là, j'ai mes 6 fils. Et alors, je peux venir avec un autre fil de couleur contrastée. Faire une petite boucle pour séparer mon centimètre. Je viens ensuite continuer mes allers-retours. Oops. Et on fait ça sur la quantité de fil nécessaire. Le nombre de fils va dépendre de la largeur qu'on va vouloir monter sur le métier à tisser. Donc à savoir que pour un coussin, c'est plus ou moins aux alentours de 300 fils sur la longueur totale. Et pour un tapis, on est aux alentours de 900 fils. Donc voilà, 900 petits trajets comme ça. Donc autant dire que si on s'en mêle les pinceaux, c'est pas évident de rattraper l'erreur. Une fois qu'on a mis nos fils ici, on va venir faire des ligatures à différents endroits pour pas que ça s'en mêle, évidemment, parce que quand là, il n'y a que 3 mètres, mais quand il y a 6, 10, 12 mètres, c'est toujours plus compliqué. C'est comme essayer de démêler des spaghettis cuites. Une fois qu'on a notre chaîne, on va venir l'installer à l'arrière. Donc tout se passe à l'arrière du métier. Et donc, on va venir la bloquer sur notre petite barre métallique qui se trouve derrière. Ici, donc là on voit c'est la fin de l'autre métier, mais on voit que là il y a le retour, il y a tous nos fils qui sont crochetés dedans. Et on va venir enrouler petit à petit, donc il faut imaginer que les fils ne sont pas encore rentrés ici. Donc notre fil est lâche, passe par-dessus, on l'a juste bloqué ici. Et on va l'enrouler sur ce qu'on appelle une ensouple à l'arrière, en veillant bien à ce que nos petits paquets de fils par centimètre qu'on a mis avec un fil contrasté restent à leur place. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un vautoir qui délimite tous les centimètres. Donc on va venir placer tous nos petits paquets de centimètres ici pour qu'ils s'enroulent vraiment sur l'ensouple arrière à la bonne disposition, au bon emplacement. On pourra retirer notre vautoir après. Et une fois qu'on a enroulé, là commence le travail méticuleux de patience. On va devoir passer, on peut le montrer à l'avant, on va devoir passer chaque fil un à un. Donc pour avoir l'ordre, on regarde comment ils sont mis à notre croisement d'en croix. Là, je les ai enroulés deux par deux, mais ça pourrait être un par un. Donc je prends mes premiers fils, donc là j'en ai deux. Je prends les deux premiers, hop, je les sépare et je les passe dans les petites lisses métalliques ici. Donc, fil 1, cadre 1, fil 2, cadre 2, ainsi de suite. 1, 2, 3, 4. Ça, ensuite, c'est tout un principe mathématique. On peut choisir dans quel ordre on passe les fils. Ça fera différents motifs. Une fois qu'ils sont tous passés ici, dans les lisses,
on va les passer dans le peigne. Et donc le peigne, c'est quoi? C'est un outil avec tout plein de petites dents en métal. Et il y a X dents par centimètre. Donc ça, c'est ce qu'on a défini avant. Ici, je sais que j'ai mis 8 fils par centimètre. Donc j'ai 4 dents par centimètre, donc 2 fils par dent, ce qui me fera mes 8 par centimètre. C'est très mathématique comme ça. Une fois qu'on a pris le pli, ça vient assez vite. Là, c'est vraiment l'essentiel du métier. C'est à ce moment-ci qu'on va calculer, enfin, et qu'on va mettre en place la densité et le potentiel graphisme qu'on pourra obtenir. Donc, une fois qu'on a ça, nos fils sont tendus, on les accroche sur notre deuxième barre. Et au fur et à mesure qu'on va tisser, on va défaire l'ensouple arrière, dérouler, pour venir l'enrouler à l'avant. Une fois qu'on les a attachés, c'est là qu'on va pouvoir faire notre petite canette. Donc on passe de notre bobine à une canette. On va prendre une canette en carton qu'on va venir mettre ici. Notre bobine, on va la mettre dans un petit pot en dessous. On vient s'enrouler et ici, on vient juste tourner. Alors, on vérifie à ne pas l'enrouler n'importe comment, sinon notre fil ne va jamais se dévider. Donc, on essaye de l'enrouler comme pour avoir la forme d'une olive un peu. On en met beaucoup au centre, puis hop, on se dévie vers le côté, on revient, on repart. Toujours sur 1 ou 2 cm, pas beaucoup plus. Et on va pas trop vers le bord, sinon ça risque de tomber de la canette après. Donc on repart de l'autre côté et hop, c'est pareil. Hop, on va venir la retirer. Et ensuite, on va pouvoir passer avec la navette. Donc on met la canette dans la navette. On la bloque dans cette petite pipe métallique. On bloque. On vient faire passer notre fil dans l'œillet qui est ici. Et on va pouvoir tisser. Donc quand j'appuie sur une pédale, j'ai des cadres qui se lèvent. Donc ici, je vais appuyer sur deux cadres en même temps. Les deux cadres impairs, donc le numéro 1, le numéro 3. Je passe mon fil. Je baisse mes cadres et je viens tasser avec mon peigne. Je repars en arrière, je change mes pédales 2 et 4. Je passe ma navette dans l'autre sens et je tasse avec mon peigne. Donc ici, je levais deux pédales en même temps et on avait ce qu'on appelle de la toile, qui est l'armure la plus basique, celle en fait avec laquelle on tisse le plus de matière le plus rapidement possible. Ici, j'ai changé et je lève qu'une seule pédale. Je suis en train de faire ce qu'on appelle le sergé. Le sergé, c'est l'armure qu'on retrouve sur tous les jeans. Donc on a le tissu qui est droit, mais on a une espèce de diagonale qui se dessine. C'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Donc là, on avait une proportion 1-1 pour 50-50 pour la toile. Ici, on voit beaucoup plus de fils bruns, donc de fils de trame. Les fils blancs, c'est ce qu'on appelle les fils de chaîne, parce que c'est vraiment les fils les plus solides. Les fils de trame, c'est les fils de motif. Et donc là, on voit beaucoup plus de fils de trame, le fil brun. Et donc, on peut évidemment jouer après avec les combinaisons de motifs. Ou par exemple ici, j'ai commencé avec un sergé et ensuite j'ai fait ce qu'on appelle un chevron. Le chevron, c'est ces sortes de petits zigzags qu'on observe avec les petites lignes blanches. Donc ensuite, c'est vraiment une conception mathématique, c'est un système binaire. On travaille avec des pixels pris, des pixels laissés, donc blanc, noir. Et on vient réfléchir en amont, ok, sur tant de centimètres, quel nombre de pixels noirs j'ai envie de voir. Et
ce qui va jouer, enfin ce qui joue en fait sur notre enfilage qu'on réfléchit au tout début. Et ensuite, bah, le jeu, c'est comme du piano, hein, le jeu qu'on fait avec, avec nos pédales, à quel rythme on les lève, est-ce qu'on enlève deux, est-ce qu'on enlève une, et comment est-ce qu'on combine tout ça. Une fois qu'on a tissé, on récupère nos échantillons. Donc il faut imaginer que ici on a toute notre surface tissée. On ne coupe pas à chaque pièce, on tisse toute la longueur de la chaîne et puis ensuite on peut couper. Donc on récupère nos échantillons. Ici c'est ceux que j'ai terminés hier. Première étape, ça va être de couper évidemment tous ces fils qui dépassent. Donc là, je passe sur la surjeteuse pour faire les finitions du bord du tissage. Évidemment, pas ce côté-ci, qui là ne va pas s'effilocher, mais ici, parce que si je tire, ben, tout va s'effilocher. Donc, c'est une surjeteuse industrielle. Il n'y a pas de sécurité, donc il faut faire relativement attention. Hop, donc là, je viens de lever mon pied de biche pour poser mon tissu. Et ensuite... La surjeteuse, elle permet de couper en fait le tissu avec le petit couteau qui est ici et ensuite de faire un arrêt vraiment, vraiment net avec un point de surjet qui permet que ça va ne pas s'effilocher en fait. Et donc voilà, une fois qu'on a nos bords surjetés, on va pouvoir faire nos ourlets et venir choisir les tissus qu'on va mettre en arrière. Une fois qu'on a voilà, assemblé, fait nos ourlets, rembourré le coussin, on obtient, donc selon différents formats, ben voilà, des petits coussins carrés. Et donc tous les coussins sont rembourrés en laine, donc ils sont déhoussables. À l'intérieur, il y a une petite housse qui, elle, est rembourrée en laine, traitée en timide avec des huiles essentielles pour éviter qu'elle se mette dedans. Donc il n'y en a pas quand vous recevez les coussins. Après, voilà, peut-être rajouter régulièrement de l'antimite. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres initiatives inspirantes, songez à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt !